On va dire que vous payez fournisseur, c'est normal parce que il fait courant. Mais EDH pas qu'à distribuer. Si côté de courant, EDH pas facturer. Mais l'État lui-même a une obligation pour vous payer 200 millions de dollars. Ça ne va pas continuer comme ça. Sous gouvernement, ça. Ça ne va pas continuer comme ça. Parce que même si des compagnies produisent courant, si courant n'est pas arrivé dans le peuple là, nous ne pouvons pas payer courant. Plutôt de prendre 200 millions de dollars, ça a investi dans d'autres secteurs, continuer à voir les gens à l'école, continuer à développer nos plages. On prend l'initiative là nous-mêmes, on ne mettait pas nos soleils dans toute la rue. Ou bien, pour 200 millions de dollars, ça, que EDH montre nous qui ça l'a fait. Parce que nous ne comprenons pas ce qu'a fait là. Donc, dans ce sens-là, il y a une vidéo qui fait. Côté que nous voyons des caméramans dans tout le pays, pour y virer, à boler, qui boyoye, dans qui cafouille, dans qui zone, dans qui carrioye. Et pour après, c'est dans le fait noir, à tout moment, partout. Et raison que nous disons dans qui zone nous y est, dans le film, dans le documentaire, ça, c'est pour qu'elle vérifie. Oui. Longtemps, le avant de bon souciant, on va regarder maintenant, où tu es pour au prince étalé devant, clairé. Mal campé, souciant, dimanche soir, moi, le premier ministre, je dis, viens regarder, viens regarder. Nous sommes de souciant, nous vivons la caille. C'est le map entré. La caille, moi, dans l'éa, moi, quelques lumières. Il met une lumière pour le chef là. Il met une lumière pour Wa Mateli. Il met une lumière pour moi. Et puis, tout le reste, il y a un peu noir. Je n'ai pas besoin de lumière. Je n'ai besoin de lumière pour le pays, il y a une lumière pour la population. Je n'ai besoin que EDH, non seulement, le payer courant, le fournisseur, le payer, l'acheter dans le même, pour le distribuer. Et vous le faites comme à partir de lui. Si ce n'est pas procédé du sac fait, c'est pour restructurer EDH, fermer EDH, faire ça qu'a fait là. C'est pour nous dire qui bon magouille là. Longtemps, il y a des côtés pas bien courant. Longtemps, il y a quelques crises. Mais nous avons un réseau fiable, nous avons assez courant pour au moins pour au prince. Et puis, vous avez continué à avancer vers les villes de province, les autres villes. Vous dites à côté de gain courant, comment ça monte dans le blackout. Donc nous-mêmes développons pas nous, on s'est devant des. Progrès pas nous, on s'est devant des. Donc moi j'ai décidé que je ne vais pas faire comme ça. Je vais décréter l'état d'urgence. Nous allons pencher sur cette question pour nous voir un vrai problème pour nous apporter une solution durable. M'a annoncé donc que le mandat du chef de la police arrive à terme ce samedi 18 août. Et après deux réunions NCSPN, on est arrivé à la conclusion, j'ai parlé à mon premier ministre, on a choisi un nom, on aura un nouveau chef de la police à partir de samedi minuit. Et je saisis cette opportunité pour féliciter et remercier M. André Sol pour un travail bien fait. La police nationale est encore jeune, à peine majeure déjà, mais pas encore, elle a 17 ans. Mais elle fait quand même beaucoup d'efforts, surtout avec l'ENAPGA des conditions dans les gens qui ont traité la police là. Donc, c'est féliciter pour nous féliciter. Elle a dit. Et M. André Sol, que nous invitons à continuer à servir le pays. D'ici la fin de la journée, le nouveau chef de la police sera connu. Je vous souhaite à tous une bonne fin de semaine. Bon travail. Je m'en vais représenter Haïti à la cérémonie d'investiture du président de la République dominicaine avec le Premier ministre,
le ministre des Affaires étrangères. Bon travail, bonne fin de semaine. Et nous continuons de compter sur vous. En 2012, le peuple a dans l'enfer noir. Et sans aucune espérance que la sortie dans l'enfer noir. Donc, sous instruction du président de la République et en conseil des ministres, le président a déclaré l'état d'urgence dans le secteur énergie, ce qui peut permettre une série de mesures rapides pour retirer le peuple dans le blackout et dans l'enfer noir. Non pas dire que la fête demain matin, mais au moins la permettre de focaliser l'énergie gouvernement, ressources et surtout mettre en phase sous des besoins rapides de solutions à problème ça. Donc c'est comme ça qu'il y a certaines mesures que le gouvernement prend pour mettre en phase sous problème courant. Pour ça, gagner dans la tête l'électricité d'Haïti, une nouvelle équipe qui nommée pour capable de mener politique gouvernement en termes d'urgence et en termes de résultats. Malheureusement, gens que nous disons là, nous-mêmes, nous voulons un grand bagaille. Nous là pour un grand bagaille. Résultat. Dans le cas EDH là, nous là pour nous gagner courant. Pour le peuple là, jouer lumière. Nous constatons, et Jean-Président dit là, que blackout là vient la norme et pour nous blackout là inacceptable. Dans ce sens ça, il y a un nouveau directeur général EDH et un nouveau directeur général adjoint EDH qui est à la fonction pour capable mener l'indigence dans EDH. Nous demandons tout des points clairs que nous avons un qui éclairci. Nous avons un que 200 millions de dollars par an que le président parle à cap dépenser pas pour nous blackout, mais dépenser pour nous garder en lumière. Nous faisons rencontre à conseil d'administration EDH là et nous demandons élaborer un plan d'urgence pour nous. Et dans le plan d'urgence là, il y a un point que c'était déclarer un état d'urgence dans le secteur énergie. Ce qui va permettre des mesures rapides pour adresser le problème courant. Pour lutter contre le blackout, le fait noir pour le peuple, nous décidons que la prochaine allocation du Fonds Pétro-Caribéo et pour nous capables de mesures ressources avec Jaret, que la prochaine allocation allait aller en grande partie vers le secteur énergie. Pour être capable d'appuyer EDH dans la réforme qu'elle va faire. Donc plus de 80% de l'allocation ça va aller dans le secteur énergie pour le peuple courant comme ça doit. Gagner le président de la République l'a demandé tout pour que une attention spéciale placée sur le quartier populaire. Donc nous demandons le conseil d'administration pour toute disposition et nous demandons tout. Nouveau direction EDH là pour que on attention spéciale portée sur l'électrification solaire dans le quartier populaire. Donc là, nous demandons au ministère de l'Intérieur, nous demandons au ministère de la Sécurité énergétique, ministère TPTC pour y pencher sur la question ça pressé pour garder un plan de déploiement rapide des panneaux solaires dans certains quartiers populaires ciblés. En plus de plans d'urgence, nous demandons au ministre de la Sécurité énergétique de préparer un plan. Parce que nous ne voulons pas d'aller dans le pressé ou dans la tête chaude. Même si il y a une urgence, il faut que la planifier pour que le résultat soit capable de pérenne. Donc nous remarquons qu'il y a un train d'action que nous prenons, premièrement, par bien entendu. Le bon problème, le bon extrémisme, son problème grave, malheureusement, il faut que nous allions avec une nouvelle équipe de gestion, parce que le problème, c'est la gestion. Nous avons dépensé 200 millions de dollars et qui déduit directement par le trésor public là, eh bien, il faut que nous allions dans une nouvelle direction. Ça, c'est le premier bagage. Deuxième bagage là,
nous demandons plus d'urgence dans le conseil d'administration. Il y a un promettre qu'il a bali le 22 août, dans le plan. Et nous demandons au ministre de la Sécurité énergétique de préparer le plan national là. C'est que lui en cours de préparation et si bien comprendre le ministre du monde presque fini. Vers appui à EDH pour restructuration et modernisation et atterrissage de projets. Et bien entendu, derrière, il peut passer par des réformes de contrats qui actuellement a bail courant dans EDH qui n'a pas de résultat. Donc, ça nous allons regarder ça. Et nous allons finir par un plan ciblé dans le quartier populaire, côté que nous avons une commission interministérielle penchée sur ça avec budget, nous allons être ministre financier dans ça, pour que rapidement nous sommes capables d'installer des panneaux solaires dans des quartiers populaires pendant que nous avançons sous plan de lampadaire, Jean-Claude Demandia, sous route principale. Donc, à partir du moment que nous avons un plan d'action, le 22, nous allons présenter officiellement pour nous dire mon côté de